Dans cette Dans cette intervention, je vais intervention, essayer je vais d'expliquer expliquer pourquoi pourquoi ça ça vaut la vaut la peine peine de de traiter la traiter la télé-réalité télé-réalité quand quand on, enfin, quand on entreprend de de travailler en travailler en éducation aux éducation aux médias. médias. Je vais Je vais d'abord d'abord revenir sur revenir la sur la notion de notion de télé-réalité télé-réalité qui qui a a donné lieu donné lieu à à des des interprétations interprétations multiples. Je multiples. vous en Je vous en proposerai proposerai une qui une me qui me paraît la paraît la plus plus fertile, je fertile, je dirais, la dirais, plus la plus pertinente pertinente aussi, aussi pour pour favoriser favoriser la la compréhension de ce compréhension de ce phénomène phénomène et et aussi aussi pour favoriser favoriser les les activités activités ensuite, ensuite hein, pour mettre pour en mettre act en activité pour mettre en activité en fait, hein, les élèves, les les adolescents, adolescents face à face des à des émissions qui émissions sont plutôt des plutôt des émissions émissions qu'on qu'on regarde regarde en en étant étant pour se pour se délasser, hein, délasser, pour hein, pour voilà, de voilà, de façon façon pas pas forcément forcément passive, passive, parce que parce ce que ce terme peut terme peut être être ambigu lui ambigu aussi, aussi, mais qu'on regarde en général sans trop se poser de questions. Ou en se posant des questions qui sont des questions qui ont été qui sont largement prédéterminées par le format même de ces émissions. Je vous dirai ensuite quelques mots sur plusieurs recherches hein, que j'ai faites et qui m'ont permis de comprendre la réception par les adolescents. Et puis je vous proposerai enfin quelques pistes d'analyse hein, de manière de travailler avec de la télé-réalité. Alors, on va commencer donc par ce qui, par un peu comment dire, le cœur de la question. Qu'est-ce que c'est que la télé-réalité? Alors, je vous ai repris des déclarations d'abord, et notamment la déclaration de John de Mol, qui est l'inventeur, peut-être pas de la télé-réalité, mais en tout cas de la plupart. Quand même la plupart des téléréalités et qui s'en est fait d'ailleurs une fortune. Et donc c'est lui qui a inventé Big Brother, donc aux Pays-Bas. La façon dont il en parle, ça rappelle un petit peu la manière dont Foucault comment dire, dont Jérémy Bentham a inventé le panoptique, hein, et la façon dont Foucault a mis l'accent sur cette découverte qui avait tellement enchanté Bentham, Bentham qui disait « j'ai découvert l'œuf de Colomb ». Et John de Mol, quelque part, il a réinventé l'œuf de Colomb de Bentham. Il dit « nous avons inventé un genre nouveau et montré que des individus ordinaires peuvent être des personnages intéressants. Votre voisin de palier peut vous étonner ». Donc, on voit, si vous voulez, dans cette description, à la fois une des caractéristiques sur laquelle nous allons revenir, hein, l'idée que les individus ordinaires peuvent être des personnages, et en même temps, quand on lit cette proposition, hein, un genre nouveau avec des individus ordinaires qui peuvent être des personnages intéressants, on se dit qu'il y a beaucoup d'émissions de télé-réalité, pas seulement, enfin beaucoup d'émissions de télévision, je voulais dire, pas seulement de télé-réalité, qui correspondent à cet objectif. Et donc, comment dire, ça permet pas d'aller jusqu'au bout de la caractérisation de la télé-réalité. Nathalie Nadeau-Albertini, dans son ouvrage hein, 12 ans de télé-réalité au-delà des critiques morales, considère que l'invention en laquelle consiste la télé-réalité, c'est d'abord une invention d'écriture. Et elle met en avant deux principes de cette écriture qui serait une intrigue en process, hein, donc une intrigue qui se construit au fur et à mesure, et la notion de personnage-personne que je crois assez utile. Alors, si j'arrive à avancer, non, il s'est bloqué. Non, c'est bon. Attendez. On a des petits soucis, voilà. Hop. Ouais, il s'est bloqué. Il s'est bloqué et il revient en arrière. Voilà. Alors, moi, ce que je vous propose, c'est
Alors, pour l'instant, on va caractériser, définir la télé-réalité en la caractérisant par cinq ingrédients. Alors, c'est ça, c'est l'idée un peu d'une recette de cuisine, mais cinq ingrédients qui sont récurrents. Parce que c'est compliqué comment dire, un seul ingrédient, en fait, serait insuffisant. On voit bien que le premier ingrédient, par exemple, la participation d'individus ordinaires, hein, ce qui était donné par John de Mol, eh bien, ça fait effectivement partie des éléments récurrents des émissions de télé-réalité. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait des individus qui soient qui ressemblent au public, qui soient des non-experts. Et en même temps, je suis sûre que vous avez tous en tête et tout en tête des contre-exemples où on va avoir des individus pas ordinaires parce qu'on commence à les connaître, alors soit parce qu'ils se sont fait connaître dans d'autres émissions de télé-réalité. Que la télé-réalité, c'est aussi, il y a aussi aujourd'hui des carrières hein, de participants à des émissions de télé-réalité. Et donc on peut avoir des personnes issues d'autres émissions qui sont devenues célèbres grâce à ces émissions. Et puis on a aussi, par exemple dans Top Chef, on a des chefs de cuisine qui sont reconnus dans leur profession. Ou dans Koh-Lanta, on peut avoir des champions olympiques ou des ex-champions olympiques qui vont venir participer à ces émissions. Le deuxième ingrédient, c'est la participation du public dans le processus de sélection. Ce qui est très important, c'est l'idée que le public est actif, hein, mais il est actif au sens où il va participer, voter, etc. Bon, alors, c'est un ingrédient qui n'est pas présent non plus absolument dans toutes les émissions, mais dans un certain nombre, notamment, je vous ai dit The Voice, Secret Story, mais il y en a d'autres. Le troisième ingrédient, c'est le fait que le spectacle consiste à observer des individus qui vont être soumis à des expérimentations, hein, qui vont être soumis à des défis, qui vont être soumis et qui vont dévoiler quelque chose de leur intimité. Ce que attend le spectateur, c'est que quelque chose soit dévoilé donc de l'intériorité de ces individus. Alors, voilà, j'ai cité quelques exemples d'émissions qui viennent à l'antenne, qui repartent, voilà. Comme c'est du propre, Super Nanny, les ch'tis, c'est pas la même intimité à chaque fois, mais alors, c'est du propre en particulier, on est vraiment dans l'exposition de l'intimité pour un redressement. Hein, dans c'est du propre, dans Super Nanny, on va regarder un peu ce qui dysfonctionne pour l'améliorer. Quatrième élément, c'est la présence d'un défi ou d'une compétition. Une compétition, c'est un élément qui est essentiel. Hein. Dans Koh-Lanta, plus récemment dans Wild, il y a à la fois, voilà, et même de façon, même si ce n'est pas des défis aussi, alors la nature des défis change selon les émissions, évidemment, mais il y a toujours un défi, même dans les anges de la télé-réalité, il va y avoir des défis. Mais évidemment, qui ne sont pas de même nature que des défis physiques, comme dans Koh-Lanta, dans Wild, ou des défis psychologiques, hein, comme dans toutes les émissions de dating, hein, qui sont extrêmement présentes. Par exemple, le défi assez incroyable et sur lequel qui mériterait toute une analyse, c'est une des émissions les plus récentes, on va dire. Marié au premier regard. Non, marié au premier regard, c'est le défi, c'est de se marier en faisant totalement confiance à la chaîne qui va avoir trouvé la bonne personne. Cinquième élément, les procédures d'évaluation. Le fait que ces éliminations donnent lieu aussi. Il y a les deux, il y a l'élimination et puis il y a l'évaluation avec des jurys qui vont évidemment offrir une récompense. Hein. Notamment la perspective de la cagnotte est quelque chose d'extrêmement important
dans les émissions de télé-réalité. Donc voilà ces cinq ingrédients qui permettent de définir une espèce de champ, si vous voulez, de ces émissions. Ces émissions, par ailleurs, sont extrêmement présentes dans les grilles de programme. Alors là, j'avais fait un point un peu en 2015 qu'on pourrait tout à fait réactualiser. Et sur une semaine, j'avais pu décompter à peu près une centaine de programmes diffusés hein, par semaine. Donc c'est une place prépondérante. Cette prépondérance, elle date depuis à peu près 14-15 ans, hein, 2001, la première télé-réalité. Donc on en est à, excusez-moi, on en est à 17 ans. Donc voilà. Donc c'est un programme qui n'a cessé de prendre de la place dans les grilles des chaînes de télévision. Quand elles sont trop usées quand les émissions sont trop usées pour les chaînes premium, on va dire, les chaînes historiques, eh bien elles passent sur d'autres chaînes, notamment de la TNT, qui sont des chaînes, des filiales de ces chaînes premium. Alors, oui, ce que je voulais vous montrer, c'est que ces ingrédients sont présents. La télé-réalité, dernière mouture, hein, celle qui arrive dans les années 2000 en France, eh bien, elle se situe dans une histoire de la télévision. Tout n'a pas été inventé par la télé-réalité. Et notamment le dévoilement de l'intimité. Là, je vous ai mis quelques références hein, d'émissions pour montrer que c'est une tendance hein, de la télévision. La télévision a, depuis sa naissance, en fait, hein, j'aurais même pu vous trouver des exemples plus anciens, la télévision, elle travaille en tant qu'industrie, elle a besoin de favoriser la proximité avec le public. Et la proximité avec le public, ça passe aussi par l'exposition de l'intimité. Voilà, donc quelques exemples d'émissions de confession hein, avec Mélanie Grégoire, Françoise Dolto, Allô Macha, etc. Déjà dans les années depuis les années 60. Alors, si. Plus récemment, voilà, qu'est-ce que c'est que le dévoilement de l'intimité? Ce qui me frappe, si vous voulez, c'est que c'est la notion de fort intérieur, c'est-à-dire de quelque chose qui est à la fois extrêmement, pourtant extrêmement nécessaire dans nos sociétés, hein, le fort intérieur, c'est-à-dire cette capacité qu'ont les individus à réfléchir et à se déterminer par eux-mêmes. Et en même temps, c'est ce processus-là qui est exposé, hein, par exemple, dans une émission comme Tellement vrai, hein, où on va savoir que Sylvain ne ressent pas de désir pour sa femme et aujourd'hui le couple a très peu de rapports. Donc ça c'est dans Tellement vrai, mais on avait déjà ça hein, dans les années 80 avec L'amour en danger. Hein. On était déjà dans cette logique de révélation de l'intime. Oui, et d'ailleurs je parlais de L'amour en danger et dans les années 90, donc on appelait ça la télévérité. C'était pas la télé-réalité, c'était la télévérité. Et ces émissions étaient produites notamment par Pascal Breugnaud, dont je vous donne une citation. Et ce qui est intéressant, c'est que ce développement hein, de ces émissions à la fois de confession, en même temps de spectacle voyeuriste, ces émissions, elles étaient justifiées par la télévision à la fois par un discours de pseudo-thérapeutique. Hein, et d'ailleurs, la télévérité, à ses débuts, exposait de façon très visible les psychologues. Dans Love Story, hein, en 2001, on avait aussi des psychologues qui étaient très présents et qui voilà, justifiaient. Alors, le discours de Love Story, ce n'est pas qu'on allait soigner les personnes, les participants, mais dans la télévérité, si, il y avait cette idée carrément de thérapie hein, et de résolution. Et ce qui est intéressant et qui reste, si vous voulez, dans la télé-réalité actuellement, c'est parfois cette dimension de thérapie, ben, on va la retrouver plutôt avec Supermanie qu'avec Love Story. Donc il y a cette dimension de thérapie, de coaching hein, qui est restée.
Et puis, il y a ce positionnement de la télévision, comme étant une instance qui peut remplacer toutes les autres, hein, qui peut remplacer des institutions défaillantes. Hein. Et donc, voilà, je disais télévérité, l'autre terme, c'était reality show. Donc, les reality shows voulaient résoudre les problèmes des gens, disait Pascale Brogniaux, donc, qui était productrice d'un certain nombre de ces émissions. En fait, la télé-réalité, donc on l'a abordée là pour l'instant en essayant de la décrire, hein, en disant, voilà, il y a cinq caractéristiques, je dirais, on est un peu dans la recette de cuisine, mais sans comprendre encore exactement son fonctionnement. Ce qui est certain, c'est que ce n'est pas un genre de programme. Ça ne peut pas être un genre, puisque vous avez aussi bien des émissions qu'on va classer. Alors, qu'est-ce qui les classe? C'est les producteurs qui les classent. C'est aussi, vous savez, tous ces magazines, tous ces sites internet comment dire, qui médiatisent, hein, ces émissions de télé-réalité et qui vont les classer comme étant des émissions de télé-réalité. Et donc, vous avez des documentaires, vous avez des jeux, vous avez des magazines. La dimension de jeu, elle est pas forcément présente partout. Voilà, tellement vrai, a été classé comme documentaire et même un temps documentaire de création par le CNC. Hein, donc, voilà. Donc, d'où la difficulté, hein, à aborder ces émissions avec le prisme du genre au sens quasi institutionnel du terme. En fait, la télé-réalité, c'est plutôt une dénomination marketing, c'est-à-dire le genre aussi, hein, le genre qui a été inventé par les industries médiatiques aussi pour des raisons marketing. Mais là, c'est une dénomination marketing différente qui joue à la fois sur l'idée, donc télé-réalité, on va s'embarquer sur le fait de dire oui, il y a de la réalité, mais c'est pas réel, etc. Bon, on voit bien qu'il y a ce fantasme qui nous parle beaucoup là en ce moment, hein. Avec les fake news, etc., on se demande pourquoi les gens sont obnubilés par l'idée qu'il y aurait de la manipulation. Vous avez des programmes qui passent leur temps à jouer là-dessus, hein, sur ce sentiment de manipulation, de surveillance, etc. C'est précisément ces émissions de télé-réalité qui font croire qu'il y a une réalité qui va être révélée et en même temps qui va être cachée. Et vous avez toute cette galaxie de sites qui médiatisent les émissions de télé-réalité, qui vont révéler que non, ça ne s'est pas passé exactement comme ça, ces deux candidats ont l'air d'être en, comment dire, en bonne relation, peut-être d'avoir voilà, d'avoir des projets communs dans l'émission, mais en fait, ils se détestent. Enfin, je veux dire, vous avez toute une, comment dire, toute une, toute une mise en. Toute une mise en miroir, hein, de ce qui est montré et de ce qui est caché dans ces émissions. Et en fait, ce qui les caractérise aussi, hein, c'est que derrière cette promesse, hein, de réalité cachée qui va être révélée, on est surtout sur des techniques financières. Hein, on est surtout sur et la différence entre les reality shows et la télé-réalité des années 2000. C'est qu'on est sur des programmes qui sont beaucoup plus, comment dire, qui sont beaucoup plus adaptés à une économie de concurrence et à une diminution des coûts de production, hein, de façon beaucoup plus, comment dire, organisée, systématique. C'est des programmes qui sont rentables. Il y a une économie qui est faite sur les scénarios. Alors, il y a des bibles, hein, les personnages, les personnages personnes n'inventent pas tout, mais il n'y a pas de scénariste. Donc ça coûte moins cher. Il n'y a pas de comédiens non plus. Hein. On fait des économies sur les comédiens, ce sont des participants. Alors en France, on a une législation et une jurisprudence un peu spécifique qui fait que la Cour de cassation reconnaît comment dire, la participation de candidats à des émissions de télé-réalité comme étant du travail, hein, et oblige donc les chaînes à les rémunérer. Mais ils ne sont pas rémunérés en tant qu'intermittents du spectacle. Hein. Ils sont rémunérés sur la base minimale. Et du coup, ça leur donne quand même droit à un certain nombre de protections qui n'étaient pas présentes dès le début en termes d'horaire. Bon. Mais voilà. Mais ce ne sont pas pour autant des comédiens puisqu'ils sont censés jouer leur propre rôle.
Troisième économie, du côté du marketing et de la publicité, à la fois parce que ces programmes sont médiatisés par toute cette galaxie justement de sites qui trouvent intérêt à avoir des rubriques sur la télé-réalité, et puis par le public lui-même, hein, le public qui fait des commentaires, qui publie des commentaires, qui suit les comptes Instagram, Snapchat, etc., des différents participants de télé-réalité et qui du coup voilà, fait leur publicité. Et le dernier élément que j'ai trouvé grâce à une étudiante qui a été chargée de casting dans une émission de télé-réalité, c'est qu'au moment du casting, en fait, on se rend compte que ce qui va être valorisé financièrement, hein, par ces émissions, c'est une auto-formation des participants. Parce que les participants, ceux qui vont être candidats au casting, se sont formés eux-mêmes, à la fois parce que pour être castés et pour être retenus, il faut qu'ils aient exercé comment dire, un travail de présentation de soi assez intense sur les réseaux sociaux. Hein. Ça va être un élément important, en tout cas pour tous ceux qui sont entre guillemets inconnus, hein, anonymes. Et ils se sont formés aussi en regardant ces émissions, hein, pour savoir ce qu'on attend d'eux. Alors, comment est-ce qu'on peut interpréter ce phénomène? Comment est-ce qu'on peut l'interpréter? Au départ, au début des années 2000, on a eu beaucoup d'interprétations, parce que le succès de ces émissions a beaucoup surpris. Ça a été quand même quelque chose de presque, on pourrait dire presque traumatisant, hein, pour la société française. Vous avez eu plusieurs, je crois qu'il y a eu 5 ou 6 unes du monde sur Love Story. Voilà. Alors, de quoi s'agissait-il? Plusieurs propositions ont été faites. Est-ce que c'est plutôt un rite de passage? Est-ce que c'est un rite qui aurait une origine catholique? Ou est-ce que du fait du confessionnal, est-ce que le confessionnal c'est catholique ou c'est protestant? Enfin, voilà, quels sont. Est-ce que finalement François Jost est plutôt allé vers l'idée que la télé-réalité c'était une déclinaison finalement du culte du banal et de Duchamp, enfin une invention du ready-made, hein, par Duchamp. Divina Fromex en 2003 avait proposé que ce soit la quasi-pornographie, puisque quel est l'autre genre de programme dans lesquels les personnes jouent leur vrai rôle et sont montrées dans leur intimité? Olivier Razac avait comparé cette exposition des corps et des personnages stéréotypés aux zoos humains, hein, du 19e siècle, donc dans un contexte colonial. Patrick Froissart avait insisté sur la dimension panoptique, hein, puisqu'on est sur des dispositifs panoptiques. Les propositions que je vais vous faire, moi, qui me paraissent, comment dire, assez efficaces en termes de. Voilà, donc toutes ces propositions sont intéressantes, hein, et on pourrait les abonder. Celles que je vous propose de retenir, c'est plutôt celles qui consistent à dire qu'en fait, cette forme ludique, hein, cette gamification qui est à l'œuvre dans la télé-réalité, eh bien, c'est une forme de gamification du marché du travail lui-même. Et qu'en fait, comment dire, la télé-réalité met en scène le travail et que c'est une des raisons pour lesquelles, selon Zygmunt Bauman, le public peut se retrouver, hein, dans ces émissions. Parce que ça lui parle, ce sont des expériences qu'il vit tous les jours au travail. Cette piste-là permet aussi d'associer la notion de panoptisme, hein, de comprendre aussi la place des stéréotypes et de cette dimension un peu de zoo humain, et puis aussi dans les nouvelles formes d'organisation du travail néolibéral, effectivement, les droits du sujet, hein, sont menacés, hein. Donc cette exposition de l'intimité, elle est requise, hein, dans un certain nombre de contextes. Et donc ça nous explique un peu, voilà, cette hypothèse-là nous permet aussi de retrouver les autres hypothèses. Alors qu'est-ce que c'est que le néolibéralisme? Et pourquoi la télé-réalité serait, ce qui est mon hypothèse principale,
une école au sens d'un lieu de diffusion du modèle néolibéral. Qu'est-ce que c'est que le modèle néolibéral? Il y a beaucoup de définitions, hein. Moi, je m'appuie par exemple sur celle de Pierre Dardot et Christian Laval, mais il y en a d'autres. Le néolibéralisme, par rapport au libéralisme, c'est l'idée qu'on est sur un modèle de compétition, mais qui est généralisé à l'ensemble de la société et à toutes les sphères sociales. On est sur un modèle de fonctionnement qui va transformer l'individu et donner une injonction à l'individu de se comporter et de se penser comme une entreprise. Je crois que c'est là, si vous voulez, une hypothèse assez fertile pour comprendre ce dont il s'agit. La notion de darwinisme social peut aussi être requise. Elle n'est pas du tout, comment dire, éloignée, hein, du néolibéralisme. En fait, le darwinisme social, c'est l'idée que la société doit se comprendre comme une lutte pour la vie, hein, une jungle, hein. Et je trouve que cette citation de Xavier Couture, qui à l'époque était directeur d'antenne de TF1, qui défendait Koh-Lanta, il défendait Koh-Lanta ou le maillon faible d'une façon assez étonnante, parce qu'il aurait pu dire Koh-Lanta, c'est un jeu, on peut jouer avec tout, pourquoi pas, voilà, c'est amusant de jouer avec le modèle de Robinson Crusoe, par exemple. Ça peut être un fantasme d'enfant. Il aurait pu défendre cette idée-là, mais ce n'est pas ça qu'il dit, hein. Il dit ces émissions-là, voilà, comment dire, voilà, c'est très paradoxal. Il dit ces émissions, comme Koh-Lanta, représentent la réalité. L'élimination, c'est la représentation de ce qu'est notre vie. Et effectivement, les émissions de télé-réalité sont des émissions qui tournent autour, qui mettent en scène l'élimination comment dire, interaction principale entre les individus. Donc tout à l'heure, je vous parlais de Zygmunt Bauman pour vous dire qu'effectivement, lui, ce qu'il propose, c'est l'idée d'une organisation du travail autour de la flexibilité de l'élimination. Et selon lui, ce serait un message assez rassurant que de se dire, finalement, les téléspectateurs, alors moi, je ne vais pas tout à fait dans cette, je ne le rejoins pas dans cette hypothèse-là, mais selon lui, les téléspectateurs seraient rassurés par le spectacle de télé-réalité parce qu'ils se rendraient compte que ce qu'ils vivent finalement est partagé par tout le monde et on peut en faire un jeu et on peut l'exposer. Mais le message, c'est si vous n'êtes ni plus dur ni moins scrupuleux que tous les autres, ils vous élimineront. Donc dans une logique d'élimination, tout est permis, hein, c'est ce qu'on voit dans la télé-réalité, tout est permis. Alors évidemment, selon les pays, selon les normes de pudeur, selon les normes sociales, on ne va pas exactement aussi loin dans tous les pays, mais le principe, c'est quand même que tout est permis. Ça veut dire la trahison, c'est permis, parce que si on ne trahit pas, on va être trahi. Donc en fait, on n'a pas le choix. Et les équipes n'existent que pour servir l'autopromotion de leurs membres les plus futés. Donc ça, c'est important, parce que ça veut dire qu'un des messages récurrents, hein, de ces émissions, c'est que la solidarité, ça ne sert à rien, qu'en fait, l'individu est seul. Et que s'il veut avoir la cagnotte, il faut qu'il soit futé, donc il faut qu'il appartienne à une équipe, qu'il fasse semblant, etc. Et ensuite, il faut qu'il sache, qu'il ne peut compter que sur lui-même. Donc, quelles sont les valeurs de la télé-réalité? Alors là, je vais résumer, hein. Si on résume, je dirais que ce que nous proposent ces émissions, ensuite, j'en parle d'une façon un petit peu générale, et vous comprenez bien que Top Chef, Koh-Lanta, c'est pas exactement la même chose, que Tellement vrai, c'est encore autre chose, etc. Mais si on cherche les points communs dans les messages qui sont proposés, on va dire que ces émissions, elles proposent de construire un ordre du marché. C'est-à-dire, elles nous donnent l'injonction, en tout cas à ceux qui les regardent, de se constituer soi-même comme un entrepreneur, hein, de se penser comme une entreprise en compétition avec tous les autres. Tous les secteurs de la vie sociale vont être organisés autour de ce marché. Donc, ce qui est très frappant dans la télé-réalité, c'est que des zones comment dire, de l'intime qui jusqu'à présent faisaient partie, je sais pas, de la convivialité, par exemple, un dîner presque parfait. C'est-à-dire, on transforme en compétition un moment qui est un moment de convivialité, de sociabilité, hein, le dîner où on invite les amis, les voisins.
On transforme en compétition qui peut être, voilà, qui peut être aussi rendue publique. Le mariage, hein, je parlais tout à l'heure de marié au premier regard, mais on peut aussi donner l'exemple de quatre mariages pour une lune de miel, hein, c'est-à-dire on va évaluer, hein, ce qui est au cœur de l'évaluation, c'est la réussite du jour du mariage, le jour qui devrait être un jour justement pas comme les autres, qu'on ne va pas forcément comparer, qui peut être, bah, voilà, qui devrait être assez singulier. Eh bien non, ça peut être aussi un moment de compétition, de rivalité. Bon. Donc, dans ce contexte, le sujet, eh bien, moi je le caractérise comme étant sacrificiel, c'est une interprétation, c'est-à-dire qu'il doit tout sacrifier pour sa réussite, hein, et la réussite, c'est quoi? C'est la cagnotte et c'est la célébrité. Et autour de cette notion qu'on pourrait appeler capital de visibilité. Si vous n'avez rien, si vous êtes riche, si vous avez beaucoup de diplômes, vous n'avez pas besoin de la télé-réalité en principe. Mais si vous n'avez pas tous ces capitaux, eh bien, vous avez votre corps, hein. Donc vous pouvez le rembourrer, le travailler, faire de la chirurgie, etc., pour doper le capital de visibilité. Et on voit bien, je ne vais pas insister, mais c'est vrai que c'est au cœur aussi de votre programme, hein, de Mukemi, sur le transmédia, hein. On voit bien le lien, hein, entre les émissions de télé-réalité et les réseaux sociaux, hein. Le capital de visibilité, il ne peut être... enfin, la modalité qu'on propose la télé-réalité, elle est d'autant plus développée qu'il existe, qu'elle est en complément, hein, des réseaux sociaux qui permettent aussi cette mise en visibilité. L'ordre social qui est proposé dans ces émissions, c'est un ordre social par la surveillance. On est soumis au regard. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va bien se comporter, mais ça veut dire qu'on est soumis au regard, on va être évalué en fonction de ses comportements. Donc, si c'est trop agressif, là, on a vu récemment qu'un Koh-Lanta, si je ne me trompe pas, a été interrompu parce qu'il y aurait eu agression sexuelle. Je ne sais pas ce qu'il en a été, mais on voit bien que, voilà, il y a des limites quand même, hein, heureusement, qui sont celles de la loi, mais tous les comportements sont quand même, voilà, sont quand même autorisés dès lors que, on est dans la compétition et la hiérarchie est invisible. Alors, je trouve que la voix dans Secret Story, c'est typique de ça. Elle va donner des ordres aux participants, mais on ne la voit pas et il est impossible de négocier avec cette voix. Elle est, bon, ben ça, c'est une des caractéristiques de l'organisation du pouvoir dans le néolibéralisme. L'élimination est le moment le plus spectaculaire, hein, c'est le moment festif, hein, voilà, donc ça renvoie aussi à des notions de bouc émissaire, d'exclusion, etc. Et tout le processus d'élimination, comment dire, de hiérarchisation, etc., repose sur une classification des populations. Donc le stéréotype, il est extrêmement important, hein, puisqu'il va falloir que bah, les participants soient catégorisés selon leur apparence physique, leur couleur de peau, leur couleur de cheveux, leur corpulence, on dira, etc. Leur intelligence aussi, hein, parce qu'il y en a qui sont réputés extrêmement bêtes. Et l'avantage de la télé-réalité, c'est que la bêtise, mais la bêtise la plus grande, peut être une forme de valorisation de soi. C'est-à-dire, il y a des candidats, alors leur vie n'est pas forcément rose, mais qui peuvent participer à des émissions et leur bêtise suscite leur succès, en fait. Hein. Voilà, même si c'est pas, voilà, évidemment, c'est pas sans risque non plus, hein, ni psychologique pour eux, ni pour leur personnage, ni pour leur personne, dirons-nous. Alors, quelle réception par les adolescents? D'abord, c'est un programme qui reste vraiment central, hein, j'ai dit phare, mais bon, central dans la culture médiatique des adolescents. Il n'a pas la même place selon les milieux sociaux. C'est évident, je pourrais voilà, expliciter davantage, hein, mais selon les enquêtes que j'ai pu faire, selon les milieux sociaux dans lesquels j'ai pu enquêter, il est plus prépondérant, nettement plus prépondérant dans les milieux populaires, là où les jeunes sont heureux de raconter le nombre d'émissions de télé-réalité qu'ils regardent. Et un de leurs problèmes, ça peut être éventuellement de savoir comment on fait pour en regarder quand il y en a deux qui passent en même temps. Donc il y a le replay, d'accord. Donc on utilise là aussi, hein, le numérique, la télévision de rattrapage, etc. Donc
C'est voilà, socialement assez différencié. Et ensuite, eh bien, ça a une place d'autant plus centrale dans la culture médiatique des adolescents que si vous regardez, si vous comparez les grilles de programme il y a une dizaine d'années ou une vingtaine d'années avec aujourd'hui, eh bien, aux horaires de sortie d'école, entre 4 heures, je vais dire entre 16 heures et 19 heures, où il y avait beaucoup d'émissions qui étaient, voilà, dont, de séries pour la jeunesse, elles ont été en grande partie remplacées par des émissions de télé-réalité. Le problème, que ce soit le problème de ces émissions de télé-réalité, c'est qu'elles suscitent aussi, alors pas toutes, hein, mais elles suscitent quand même pour la plupart une répulsion de la part des adultes et en tout cas des enseignants. Et du coup, c'est un vrai problème, c'est comment les enseignants peuvent s'emparer, hein, de programmes qui sont des programmes que les adolescents regardent, avec lesquels ils ont un certain nombre de malaises, hein, je vais revenir dessus, donc c'est pas aussi, ils sont pas béats d'admiration, loin de là, devant ces programmes, mais ils sont quand même, c'est eux-mêmes qui le disent, hein, scotchés devant, alors que pour les enseignants, ça peut être plus difficile, mais quand les enseignants sont eux aussi scotchés devant, ce qui peut arriver, j'ai pas mal de témoignages, on va me dire, oui, la télé-réalité, j'aime pas, mais l'amour est dans le pré, c'est quand même. C'est quand même intéressant, ça nous montre la vie des paysans, ou bien mais un dîner presque parfait, ça nous apprend, ou Top Chef, ça nous apprend, etc. Donc, il y a aussi, c'est pas parce qu'on regarde ces émissions que forcément on a les clés qui permettent de les analyser avec les élèves, et donc c'est ce que je. Voilà, c'est à ce à quoi. Il faut se préparer pour travailler, hein, sur ces émissions avec les élèves. Quand on écoute le discours des jeunes, on se rend compte que oui, ils ont l'air distanciés, hein, et beaucoup de sociologues ont mis l'accent sur cette distance, hein, quasi spontanée des publics vis-à-vis des émissions de télé-réalité, en disant oui, mais c'est un peu faux, c'est pas vraiment de la réalité. Il faut voir que c'est pas forcément, comment dire, le fait d'avoir cette posture, on va dire, de défiance, c'est-à-dire de considérer que ces émissions de télé-réalité, elles ne sont pas vraiment vraies. Par exemple, tellement vraies, on a pu dire on a pu montrer parfois qu'il avait pu y avoir des comédiens qui jouaient, bon, ou bien d'autres formes de manipulation. Ça n'est pas la preuve d'une véritable distance critique. Parce qu'en réalité, les émissions de télé-réalité et toute la galaxie des médias qui tournent autour, hein, que ce soit, je sais pas, Melty.fr, Pure People, mais aussi le Huffington Post, mais aussi beaucoup d'autres médias qui en parlent, on voit bien que ça fait partie de l'attraction. C'est-à-dire le fait de vouloir détecter ce qui est vrai ou ce qui est faux dans le programme, ça fait partie, hein, ça fait partie du jeu et ça fait partie du marketing de l'émission. Donc on n'est pas, à mon avis, cette forme de défiance, c'est pas une distance critique à laquelle on aspire à laquelle on doit viser par l'éducation aux médias. Et la preuve, c'est que cette défiance peut aussi s'accompagner d'une adhésion, en fait, à certains éléments de la télé-réalité. Par exemple, quand je demandais dans une recherche que j'ai menée en 2015, quand je demandais aux jeunes, mais est-ce que ça apprend quelque chose de la télé-réalité? Bon, la première réaction, c'était de dire, mais madame, mais non, on ne peut rien apprendre avec ça, on regarde ça pour se distraire, etc. Mais en même temps, on adhère. Par exemple, au fait que oui, eh bien, il y a une représentation, par exemple, des garçons, hein, des garçons comme étant pas sérieux. Donc là, je vous ai mis une citation d'une jeune fille qui disait oui, ben, on voit qu'un jeune homme il joue avec les filles. Donc du coup, ça nous apprend ça, que les garçons sont pas sérieux, qu'ils jouent avec les filles. Et on se dit, bon, on se dit qu'ils sont tous pareils. Hein. Donc on a bien ce double mouvement, hein, à la fois d'une distance, oui, ça peut être manipulé, mais en même temps, oui, on apprend des choses, surtout quand c'est récurrent. Et effectivement, les garçons séducteurs, le stéréotype du macho séducteur qui joue avec les filles, qui les essaye, etc., ça fait partie des éléments aussi qu'on retrouve régulièrement
dans toutes les émissions de, on va dire, de dating. En réalité, les adolescents ne sont pas à l'aise avec ces émissions de télé-réalité et ils ont du mal à les analyser. Au-delà du petit jeu, je dirais, qui consiste à dire oui, mais il y a des éléments qui sont vrais, il y a des éléments qui sont faux. Ils ont une faible estime de ces programmes. En général, ils considèrent que c'est idiot. Et ils le disent sans même, voilà, plus je leur demandais, mais c'est intéressant, etc. Mais non, madame, c'est pas du tout intéressant. Mais en même temps, les mêmes, hein, peuvent dire c'est pas intéressant du tout. Mais le problème, c'est que si je commence à regarder, j'arrive plus à décrocher. Mais ça, c'est l'efficacité marketing, hein, et l'utilisation des réseaux sociaux aussi par ces émissions n'est pas pour rien. Et voilà, donc c'est. On ne va pas dire qu'ils. Voilà, ils disent qu'ils sont accros. Donc c'est quand même bizarre d'être dépendant, quelque part, d'un programme dont on trouve franchement qu'il n'est pas très intéressant. Et en plus, qui donne une image très négative des jeunes. Donc quand je demandais aux jeunes, mais est-ce que vous pensez que les adultes peuvent comprendre les adolescents en regardant ce genre d'émission? Ils étaient horrifiés. Ils m'ont dit, mais madame, c'est pas du tout nous. Bien sûr que non, on ressemble pas à ça, etc. Donc, c'est compliqué. C'est des programmes qui donnent une image négative des jeunes. Quand je dis ça, ce n'est pas un jugement personnel, c'est le jugement des adolescents, mais de façon très, très quasi unanime. Et en même temps, c'est des programmes dans lesquels on peut se reconnaître. Parce qu'on les regarde, évidemment. Pourquoi est-ce qu'on les regarde? On les regarde parce que c'est quand même des jeunes qui, même s'ils sont censés être plus âgés, ont des comportements qui sont quand même assez infantiles. Bon, ça, François Jost a pas mal insisté là-dessus. Et on peut aussi se reconnaître parce qu'il y a des identifications qui sont recherchées. Le casting des émissions est fait pour faciliter, favoriser l'identification des publics qui sont attendus, hein, qui sont présupposés par la production. Et donc, effectivement, ça fonctionne. Les adolescents peuvent à la fois se reconnaître et en même temps trouver que c'est une image assez négative, ce qui est quand même problématique. Et puis, en même temps, le troisième type de malaise que j'ai pu identifier, c'est le fait qu'ils ont une image assez négative des participants, hein, c'est-à-dire ils n'ont pas envie, franchement, de ressembler à Nabila, etc. Mais en même temps, ça reste un horizon possible. C'est-à-dire, si on n'y arrive pas, si on n'arrive pas à faire des études, du moins c'est ce que m'ont dit les adolescents, hein, que j'ai pu rencontrer, si on n'y arrive pas, ben ça reste un horizon possible, on pourra faire ça. Donc ça veut bien dire que à la fois cette image, il y a une image négative qui leur est renvoyée, et qu'en même temps, ça construit aussi des attentes et pourquoi pas des représentations de l'activité professionnelle ou des relations de couple, etc. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire en éducation aux médias avec la télé-réalité? Alors, j'ai envie de commencer par une précaution. La première précaution qui est très importante, c'est que si on travaille là-dessus, il faut choisir des extraits. C'est-à-dire, il n'est pas question, à mon avis, enfin, un conseil, hein, pas possible de regarder une émission en entier et puis de dire la prochaine heure, on l'analysera. Ces émissions-là sont de toute façon faites de façon tellement, comment dire, à la fois diluée et dense en même temps, c'est un peu qu'on peut très bien. Pourquoi c'est dilué? C'est parce que pour passer d'une étape à une autre, il faut attendre, il y a toute une mise en condition du téléspectateur, mais en même temps, c'est dense parce que si vous voulez travailler sur les stéréotypes ou sur. La représentation des candidats, eh bien vous avez des morceaux d'anthologie qui sont préparés par les chaînes, soit dans les teasers, soit dans les présentations qui sont faites sur les sites, soit en prenant des petits, voilà, des extraits. Donc, à mon avis, le conseil, c'est d'abord de travailler sur des extraits courts, pas plus de 2-3 minutes. Parce que sinon, on est pris dans le programme et on n'est plus en position d'analyser. L'autre chose, c'est que les jeunes les connaissent quand même assez bien, ces programmes. Donc, c'est pas la peine non plus de perdre de temps. Deuxième conseil, c'est de ne pas se contenter du repérage des stéréotypes. Pourquoi? Parce que repérer les stéréotypes, ça peut aussi les réancrer dans l'esprit des jeunes. Et ça peut les valider, les légitimer, c'est-à-dire dire, ben voilà, en fait,
la population. Bah, il y a des bruns, il y a des beaux, il y a des moches, il y a des filles refaites et puis il y a des filles maigres, etc. Troisième, donc il ne faut pas se contenter de ça, il faut mettre en activité, et je vais vous proposer une technique simple hein, de mise en activité. La troisième précaution, c'est qu'il faut tenir compte des émotions. Ce sont des émissions qui sont très stéréotypées, avec des personnages et des situations stéréotypées, mais il ne faut pas sous-estimer les émotions que vivent les adolescents face à ces émissions. Notamment tout ce qui est de l'ordre des émissions de dating, hein, qui sont censées représenter des personnages en situation amoureuse. Et j'ai été frappée de constater à quel point les adolescents, qu'on l'on croit blasés, etc., mais en fait, ils sont quand même très jeunes, donc ils ne sont pas blasés. Ils font semblant d'être blasés. Et face à des émissions qui mettent en scène des rencontres soi-disant amoureuses, eh bien, eux-mêmes sont très émus. Et c'est en cela aussi. Voilà. Donc, il faut tenir compte de ces émotions-là pour ne pas les blesser, si vous voulez. Et tenir compte, voilà, aussi de toutes ces ambivalences qui fait qu'à la fois, ils savent que c'est nul, en même temps, ils y sont attachés. Et donc, il faut donner des armes, à mon avis, qui ne soient pas, qui ne fonctionnent pas sur le discrédit, hein. Ça serait très, très contre-productif. Alors, la technique simple, hein, qui n'est pas très originale, c'est de dire il faut proposer des hypothèses. Si on est, vous voyez, quand on est en master ou quand on est voilà, dans les études supérieures, et on va dire au niveau master, ou, voilà, on va demander à ce que les étudiants construisent eux-mêmes leurs hypothèses d'analyse. Dans le secondaire, il faut proposer les hypothèses de travail, c'est des hypothèses de recherche, hein. Il faut proposer des questions pour mettre les adolescents au travail. Ça ne peut pas venir d'eux et ça ne peut pas venir du programme lui-même, qui est un programme extrêmement bien conçu, hein. C'est des programmes extrêmement bien conçus sur le plan marketing et donc qui invisibilisent, si vous voulez, qui donnent peu de prise au questionnement. Par exemple, une hypothèse en ayant en perspective, si vous voulez, ce que j'ai expliqué hein, sur l'hypothèse de construction d'un ordre social néolibéral ou d'adhésion à un ordre social néolibéral, réfléchir sur les modalités de sélection. Qu'est-ce qui fait qu'un candidat va gagner ou ne pas gagner? Qu'est-ce qui est mis en valeur? Et comment s'organise la sélection? Quelles sont les épreuves? Comment on peut réfléchir à ces épreuves? Est-ce qu'elles sont justes? Est-ce qu'elles sont injustes? Est-ce qu'elles sont arbitraires ou pas? Travailler donc sur les modalités de sélection. Travailler sur l'injustice ou la justice de la sélection. Est-ce que c'était juste que ce soit toujours par exemple, j'ai un étudiant en licence qui était très déçu parce qu'à chaque fois qu'il y avait l'émission La Belle et ses princes, c'était toujours, on savait toujours que c'était les séducteurs qui allaient emporter, entre guillemets, emporter la mise, et la mise c'était de partir avec la jolie fille. Donc, est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est injuste? Est-ce que les candidats se sont vraiment mal comportés, etc. Sachant que ce qui est promu dans la télé-réalité, c'est des valeurs notamment de transgression, de trahison, qui ne sont pas les valeurs auxquelles adhèrent les jeunes. Donc, c'est en travaillant là-dessus, sur ces valeurs-là, que les jeunes peuvent retrouver un discours qui sera un discours plus personnel. Travailler sur les normes qui sont promues, c'est tout à fait possible. Alors, en tout cas, moi, j'avais fait l'expérience avec des élèves de première, que c'est tout à fait possible de les faire travailler sur les normes de genre ou les normes de beauté qui sont promues et de leur permettre de dire, bah oui, c'est choquant, c'est pas parce qu'une fille est mince qu'elle a tous les droits, ou c'est pas parce que, voilà, travailler sur les caractéristiques à la fois corporelles, mais aussi affectives, les capacités d'empathie ou d'antipathie qui sont promues dans ces programmes, et puis les normes de genre, quelle est la place, des choses toutes simples, hein, quelle est la place des femmes, qui est-ce qui domine? Arriver à faire comprendre, par exemple, sur le programme La Belle et ses princes, ce qui était frappant, c'est que en apparence, c'est un programme qui était favorable aux femmes. Une femme doit choisir dans un cheptel de, je sais plus, une dizaine de candidats. Et en réalité, c'est elle qui va se retrouver ridiculisée. Parce que la production va montrer que les garçons se moquent d'elle, etc., et qu'elle va se faire manipuler, etc. Donc les normes de genre, c'est ça. C'est des choses très délicates, en fait,
pour les adolescents et peut-être pour d'autres publics d'ailleurs, de trouver d'analyser les modalités de domination, et notamment de domination masculine dans ces programmes. Réfléchir aussi à la nature des souffrances dans les épreuves. Hein. De quoi est-ce que l'on rit dans les émissions de dating, hein? On rit de voir quelqu'un qui va se faire jeter parce que voilà. Réfléchir à ça, voir dans Koh-Lanta par exemple, hein, ou dans Wild, hein, jusqu'où va la cruauté, hein, des épreuves. Et faire réfléchir au fait que voilà, est-ce que si vous imaginez un jeu, enfin voilà, essayez de faire décoller, c'est compliqué, hein, mais faire décoller les jeunes des normes qui sont proposées dans ces émissions. Et puis peut-être réfléchir aussi aux stéréotypes qui ne sont pas représentés, hein. Quelles sont les catégories de la population qui sont absentes systématiquement de tel ou tel programme? Et est-ce que c'est juste? Bon, là, je vais aller très vite, hein, parce que c'était repéré, là, on est plus dans le repérage, hein, des stéréotypes et dans évidemment, c'est un travail qui est préliminaire, hein, à la réflexion sur les hypothèses et sur le rôle de cette stéréotypie, hein. Mais voilà, on peut travailler sur, par exemple, un des derniers programmes, hein, qui était Wild, qui est apparu sur M6, était très frappant. Vous voyez déjà, rien que sur cette image-là, on a l'ordre social, hein. Il y a d'un côté les. Et vous avez très souvent cette catégorisation binaire, hein, les séducteurs, les prétendants, dans d'autres émissions, où là, c'est les novices et les experts. Hein. Alors, on est expert, on est en haut. Hein. On est novice, on est en bas. Déjà, ça vous positionne. Et les novices, sans les experts, évidemment, ne pourraient pas vivre. Et puis, rien qu'en examinant, je l'ai fait, enfin, c'est pas moi qui l'ai fait, mais j'ai des étudiants. En espé qui ont travaillé sur Wild et qui ont pu évidemment s'en donner à cœur joie sur les stéréotypes parce qu'ils sont préinscrits, bien sûr, hein, c'est casté, c'est surligné pour que des enfants de 7 ans puissent les repérer. Donc voilà, et on peut savoir d'avance, hein, donc il y a la mannequin et puis la femme de 50 ans qui n'est jamais sortie de France, donc vous avez tout de suite des oppositions, hein. Et donc on peut connaître, c'est aussi une des hypothèses sur lesquelles on peut travailler, c'est quel est le destin des personnages selon leurs stéréotypes. Hein, ne pas s'arrêter aux stéréotypes, mais quel est le destin des personnages en fonction des catégorisations, des stéréotypes qui leur ont été attribués. Bon, je vais. Oui, bon, voilà, bon, c'est voir par exemple que dans Top Chef, on n'est pas sur de la cuisine, on est sur de la compétition, pas la même chose. On croit regarder Top Chef pour apprendre de la cuisine, mais en réalité, ce qu'on apprend, c'est que la vie, c'est une compétition, que la cuisine, c'est une espace de course permanente, et ce qui n'est pas vrai, hein, vous avez des témoignages de chefs cuisiniers qui disent que c'est vraiment de la mise en scène, hein, que la vie dans les cuisines n'est pas celle-là. Et derrière, vous avez un certain nombre de stéréotypes, notamment de stéréotypes racisants, hein, qui permettent de caractériser les personnages. À très Voilà. bientôt. À très À très bientôt. bientôt. Merci, bonne Merci à soirée. vous. Au Au revoir. revoir.